d'astéroïdes. Et puis il y a une grosse ceinture beaucoup plus loin que l'on appelle la ceinture de Kuiper du nom d'un astronome physicien hollandais. Et encore plus loin, nous verrons, il y a ce qu'on appelle le nuage de Oort. Alors voici cette fameuse ceinture de Kuiper qui est extrêmement loin, hein, puisqu'elle est à peu près entre 4,5 et 15 milliards de kilomètres du Soleil. Elle est sur un plan qui fait à peu près une dizaine de degrés. Et on voit ici quelque chose qui jusqu'à il y a 10 ans était une planète, c'est en fait Pluton. On voit bien qu'elle ne fait pas partie de la famille, puisqu'elle n'est pas dans le même plan que les autres. Alors donc voici ces futurs météores, des cailloux. J'en ai amené deux. Alors j'aimerais bien vous les lancer, mais enfin, ça risque. En voici une vraie, que notre association a achetée. C'est pas à peine de nommer, s'il vous plaît, le projecteur. En voici une autre. Alors ça, c'est une planète qui est un morceau d'astéroïde, c'est-à-dire qui s'est détaché d'un élément comme tous ceux que l'on voit là. C'est du fer brut et de la silice, et puis ça, c'est rien à voir, c'est une chondrite, on verra plus tard, ça fait partie des petites poussières qui se trouvent entre les planètes et les astéroïdes. Alors, il ne faut pas rire avec les astéroïdes, vous allez voir pourquoi. Il y a 65 millions d'années, il y a eu une météorite qu'on appelle Chicoulub, du nom d'un village mexicain. Avec mon épouse, nous sommes allés à Chicoulub, et il n'y avait que deux personnes qui était au courant, c'est-à-dire nous. C'est une météorite qui faisait 8 km de long, qui avait une puissance de 100 milliards de fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Donc ça fait énormément de dégâts. Voici, elle a atterri, si je puis dire, dans ce qui est devenu le golfe du Mexique, que vous voyez ici. Il y a 65 millions d'années, notre Terre n'avait pas du tout le même look que maintenant. Vous voyez l'Inde qui se trouve ici et qui est partie de l'Antarctique, de l'Antarctique, oui, de même que l'Australie, et l'Inde va continuer à progresser pour aller taper l'Eurasie qui se trouvait là. C'est tout ce voyage a été trouvé par des chercheurs français. Là, vous voyez que le Tibesti, qui se trouve par ici, était d'une mer. Et puis, vous voyez là, la cordillère des Andes, qui servait une espèce de barrière. L'Europe ressemble un peu à la politique européenne maintenant, vous pouvez le voir. Il existait comme morceau d'Espagne qui allait se fracasser contre un autre morceau ici pour donner les Pyrénées. Et puis tout ceci qui va être ce qui constituera la péninsule italienne va aller se taper par là-haut pour créer les Alpes. Alors, il ne faut pas rigoler avec les astéroïdes parce que grâce à elles, il y a eu 5 extinctions d'espèces. Alors on a trouvé en 1981, un géologue baladé en Italie à Gubbio, refait la photo. Ce monsieur se baladait parce qu'il y avait eu, il se baladait dans la campagne et il y avait une pelleteuse qui creusait et il s'est aperçu qu'il y avait une espèce de ligne tout le long qui faisait à peu près le doigt. Il a eu un réflexe de géologue, il a fait un prélèvement, il a analysé dans son labo, il a trouvé de l'iridium 4. Or, l'iridium est quelque chose qui constitue les batteries de nos smartphones, mais l'iridium 4 n'existe pas sur Terre, ou quasiment pas sur Terre. Alors on a commencé à chercher, il a publié un article, et on s'est aperçu qu'on en a trouvé, cette ligne dans tous les coins du monde, vous voyez par ici, et lorsqu'on a fait des carottages, on s'est aperçu qu'il y avait des concentrations d'iridium 4 de plus en plus fort lorsque les pointes sont rouges, etc. Ça a eu pour effet d'éradiquer la plupart des espèces, dont les fameuses ammonites, qui ont été victimes, comme les dinosaures, de cette météorite, de cet astéroïde. Donc,
Voilà toutes les inspections, il y en a eu régulièrement. Actuellement, vous voyez, la courbe monte encore. Ensuite, des astéroïdes. Alors voici ici la première ceinture d'astéroïdes. Voici ici la première ceinture qui se trouve ici, la ceinture de Kuiper. Et tout ça se trouve dans un immense ensemble qu'on appelle le nuage de Oort, avec deux gros lobes dont je n'arrive pas à trouver les calculs, mais je ne désespère pas. Et cet énorme nuage, qui est à peu près entre 3000 et 15000 milliards de kilomètres du Soleil, est ce qu'on appelle le réservoir des comètes, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des éléments qui tombent et qui viennent embellir nos nuits d'été. Voilà les comètes. Alors là aussi, il faut faire très attention, parce qu'il y en a eu une en 1994, voici cette comète qui était la comète Shoemaker-Levy et qui a fracassé Jupiter, vous voyez quand même, et c'est quand même quelque chose de considérable, s'il y avait eu des gens en dessous. Là aussi, on peut faire un vœu quand on voit une comète, mais de préférence, il faut prendre un parapluie. Donc, si on était des aliens, des extraterrestres, voilà comment on verrait notre système solaire. Bon, là, vous ne le voyez pas bien, mais vous pouvez tous venir, vous le voir un peu mieux sur un écran. Donc, nous sommes une bulle. Hier, nous avons fait dans notre association un exposé sur les bulles. Il y a dans l'univers, il y a des bulles, etc. Donc, nous changeons de sujet. Maintenant, vous en savez autant que moi sur les planètes. En 1995, à l'observatoire de Haute-Provence, vous voyez ici le superbe télescope équatorial coudé, avec en bas à droite un spectroscope. Deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, ont découvert la première exoplanète, c'est-à-dire une première planète qui n'appartenait pas à notre système solaire. Vous voyez les deux en bas. Le plus jeune, Didier Queloz, était en train de passer sa thèse sur les petits corps, c'est-à-dire toute la grosse caillasse qui circule entre les planètes. Et à droite, Michel Mayor, son professeur. Et comme c'était un très bon professeur, il ne s'est pas attribué à lui tout seul la découverte. Et la découverte a été publiée sur les deux noms, ce qui est quand même rarissime. Alors si vous voulez savoir où elle se trouve, dans le ciel d'été, vous trouvez le W Cassiopée, qui est le point diamétralement opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire. Et un petit peu en bas, vous avez le carré de Pégase, et ici, c'est à dire, on ne voit pas bien, là. Ici, on voit ce qu'ils ont trouvé. Alors, ce qui est assez important, c'est que Michel Mayor a passé toute sa vie à démontrer que les planètes sont des sous-produits de proto-étoiles. Alors, Michel Mayor, c'est un ami de notre association, nous allons lui rendre visite régulièrement. Nous essayons de le corrompre avec une bouteille de champagne que nous achetons à Auchan, ici. Alors, ce que vous pouvez voir, hein, ce sont des Pézirois. Vous pouvez les rencontrer à Auchan, en poussant le caddie, vous le voyez. Il y en a qui sont ici, présents, là, dans la salle, j'avais vu. Je ne peux pas vous dire. C'était le 16 octobre, donc il n'y a pas très loin, il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est assez extraordinaire, parce que l'Observatoire de Genève n'a pas de télescope, ou n'a plus de télescope. Et donc a loué un télescope français à Saint-Michel-de-Provence et l'a sauvé parce qu'on allait le fermer et il allait être inutilisé. Depuis, le CNRS, évidemment, a mis une équipe. Alors, le premier problème, cette planète extérieure se trouve extrêmement près de l'étoile. Alors, lorsqu'on est dans l'univers, notamment dans le système solaire, tout notre système de mesure, comme le système MKSA, mètre, kilo, S seconde, MKSA, ampère, ne vaut plus rien parce que ce système de mesure a été créé à notre dimension. Autrefois, on avait le pouce, on avait la palme, on avait la coudée, on avait le pied. Je remonte. Non. Et à la Révolution, on a voulu tout unifier. Donc, le gros problème, c'est que cette étoile est très très près. Alors on l'a utilisé comme unité de mesure, l'UA, qui veut dire l'unité astronomique. Ils étaient particulièrement bien inspirés, le jour où ils ont trouvé ça. C'est la distance entre la Terre et le Soleil qui fait 150 millions de kilomètres. Donc 0,
0,05 UA, alors que notre Jupiter est à 5 UA, c'est-à-dire il y a un écart de 1 à 100, ce qui est considérable. Et non content de ça, notre étoile la plus près du Soleil, qui est Mercure, eh bien, cette étoile est encore plus près. Résultat, et la période de rotation, ce n'est que 4 jours, alors que chez nous, la période de rotation autour de notre étoile est de 365 jours et quelques. Par conséquent, Nature, qui est l'éditeur qui publie les articles scientifiques, a refusé leur article. Et parmi le comité de lecture, il y a une personne qui a voulu aller un petit peu plus loin et qui a fait intervenir un astrophysicien chinois, Chun Li, qui lui a dit « C'est génial, on était en train de chercher une migration de planètes, vous êtes en train de prouver que les planètes sont le plus près possible de leur étoile, donc par conséquent doivent bouger. »